glorifie ton nom. Je te laisse, je te rends gloire. J'ai le Dieu des dieux, le roi des rois, au nom de son nom. Seigneur, merci pour ma vie, pour ma famille. Je bénis ton nom pour ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin que tu me fusses de ta grâce ce matin. J'ai besoin d'une fusion de ta part, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta puissance. Laisse la voix plus fort que Seigneur, tu es Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit ce matin. Remplis-nous, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Parle au Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, nous te parlons ce matin. Parle à l'Esprit de Dieu. Nous te parlons. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta présence ce matin. J'ai besoin de ta présence. Dis, Saint-Esprit, infuse-moi de ta gloire ce matin. Infuse-moi de ta puissance. Saint-Esprit, touche ma vie ce matin. Saint-Esprit, touche ma vie ce matin. Touche ma vie, touche ma famille, touche mes enfants, touche ma maison. Seigneur, utilise-nous puissamment. Aujourd'hui même, Père, manifeste-toi puissamment. Couvre-nous de ton sang, de ta puissance. Utilise-nous pour ta gloire. Utilise-nous pour ta gloire. Parle par nos bouches, parle par nos cœurs, parle par nos âmes. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Seigneur. Je parle de toi, Seigneur. Je veux parler de toi. Je veux te louer. Je veux te servir. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es roi, Saint-Esprit. Tu es puissant, Saint-Esprit. Tu es bon, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Je te bénis, ce matin. Je te loue, je t'exalte. Invoque sa présence, invoque sa présence, invoque sa présence. C'est le Dieu des dieux. C'est le roi des rois. Invoque sa présence ce matin. C'est le Omega. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Touche ma vie. Et voilà, semer le vent de l'Esprit sur ta vie. Nous supplions à la sauveur de l'Esprit de Dieu. Puisse toucher ton cœur ce matin. Viens souffler sur ma vie. Demande à ce que son feu puisse t'embrasser ce matin. J'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle dans ma bouche. Remplis-moi. Remplis-moi. Point mes mains, point mon corps, point mon âme, point mon esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment aujourd'hui. Et tu les veux nous faire. Merci Seigneur Dieu. Je te loue, je te loue, je te loue. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, déclenche ta puissance en moi. Viens, 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 viens. Tu es le. Tu es le pouvoir qui peut changer ma vie. Seigneur, tu as la parole de ma vie. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Je te loue, je t'adore. Tu es Dieu, nul ne semblable à toi. Il n'y a personne comme toi. Seigneur Jésus, viens laver nos cœurs, nos pensées, nos âmes, nos esprits. Lave nos bouches et nos mains. Lave mes yeux. Oh Seigneur, j'invoque le baptême de feu. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Je veux que ce pouvoir se manifeste. Je veux que ce pouvoir se manifeste. Au nom de Jésus. Je veux que ce pouvoir se manifeste. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu m'inondes. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. Hey, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, utilise-moi. Baptise-nous. 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 Comme jamais tu n'as utilisé personne. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de toi.
Saint-Esprit, merci. Merci. Je te parle, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin que tu impactes ma vie. J'ai besoin que tu impactes ma vie. J'ai besoin que tu souffles ta puissance sur ma vie. J'ai besoin que tu me touches. Au nom de Jésus. J'ai besoin que tu impactes ma vie. J'ai besoin que ton feu puisse m'embraser ce matin. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin que ton feu puisse m'inonder ce matin. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle à l'Esprit de j'ai Dieu. Besoin de toi. Dis Saint-Esprit, au nom j'ai besoin Jésus. Que tu me visites. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'inondes. Au nom de Jésus. J'ai besoin que tu impactes ma nom vie ce matin. De Jésus. J'ai besoin au nom que de tu Jésus. Touches ma vie ce que matin. Que tu touches ma vie. Esprit de que Dieu, que tu touches ma vie. Que tu touches mes enfants. Que tu touches le monde. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle ton feu ce matin. Souffle ta puissance ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. Que ton feu tombe sur nous. Que ton feu embrasse ton église. Esprit de Dieu. Agis. Agis au nom de Jésus. Ce matin, nous bénissons ta présence. Souffle davantage, Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle davantage, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Souffle davantage, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Quand l'Église a besoin de toi, enlève-nous les écailles. Enlève-nous les barrières. S'il y a quelque chose dont l'ennemi puisse se servir, Seigneur, lave-nous au nom de Jésus. Seigneur, lave nos vies. Seigneur, impacte la vie de mes enfants, de ma famille, de ma maison. Impacte la vie des membres d'Océan de Grâce. Nous voulons ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens faire rayonner ta puissance. Viens faire rayonner ta gloire. Fais rayonner ton feu. Nous voulons ton feu. Nous voulons ta puissance. Nous voulons ta puissance. Nous voulons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, souffle sur nous. Seigneur, souffle ce matin. Seigneur, souffle sur cette maison. Souffle, souffle, souffle. Enlève-nous les barrières et les écailles. Enlève-nous les barrières et les écailles. Souffle ce matin, Seigneur. Souffle sur ma vie ce matin. Souffle sur cette église ce matin. Enlève-nous les barrières. Lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Souffle ce matin. Souffle dans ma maison. Souffle sur ma vie. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Prends le temps de contempler sa voix. Prends le temps de dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends le temps de dire j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu touche ma vie. Parle, Esprit de Dieu touche ma vie. Oh Saint-Esprit, je te parle. Viens et baptise-moi. Viens et remplis mes mains de ton pouvoir. Guide-moi, guide-moi, prends le contrôle de chaque parole. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. Que ton esprit vive en moi. Que ton esprit soit à moi. Souffle sur ma vie. Esprit de Dieu souffle. Esprit de Dieu souffle. Au nom de Jésus. 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 Tu t'es arrêté au même endroit. Faut bouger dans la salle. On dit de marcher dans la salle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, marche avec nous, bouge avec nous, Saint-Esprit. Nous voulons ta puissance, nous voulons ton onction, nous voulons ta présence, nous voulons ta gloire, nous voulons ta puissance. Saint-Esprit, je te demande d'agir. C'est ma journée. J'ai besoin que tu me visites, que tu me touches, que tu me laves. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être touché. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'aime. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'aime. J'ai besoin de ta puissance et de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta force. Sans toi, nous ne sommes rien.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton pouvoir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens me remplir. J'ai besoin d'une visite spéciale. J'ai besoin d'une grâce spéciale. Que ton onction coule sur ma tête. Parle par ma bouche. Au nom de Jésus. Que ton onction coule sur ma vie. Que ton onction coule. Que ta puissance coule. Que ta grâce coule. Esprit de Dieu, tu es digne. Tu es digne. Remplis notre famille. Saint-Esprit, je t'appelle. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, je bénis ton nom. Je te loue. Au nom de Jésus. Qu'une voix célèbre. Merci Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Qu'une voix célèbre. Que quelqu'un poussé par l'Esprit élève la voix et puis rende grâce au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Ce matin, nous sommes là pour voir ta puissance. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta puissance. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous touches. Visite-nous encore ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin que tu nous remplisses. Sans toi, nous ne pouvons rien, ne sommes rien. Nous avons besoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Mets les paroles dans ma bouche. Mets les mots en moi. Je ne veux pas parler pour moi-même. Mais je veux parler pour ton peuple. Parce qu'il a besoin de cette révélation. Il a besoin de ce secret. Il a besoin de cette puissance. Il a besoin de ça. Au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Lave mes pensées pour que je sois capable de recevoir. Lave mon cœur pour que je sois capable de recevoir. Seigneur, je purifie mes mains. Je purifie mes mains. Je purifie mes mains. Mon cœur. Ma vie. Je vais être un vase, un canal pour tes enfants. Et utilise-moi puissamment, Seigneur. Que je ne parle pas pour moi, mais que je parle pour ton peuple. Seigneur Jésus, je te rends gloire. Parce que pour moi, tu vas te manifester. Père, je te loue. Parce que pour moi, tu vas intervenir. Je te magnifie. Parce que pour moi, tu vas agir. Je te remercie. Parce que pour moi, tu feras quelque chose. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci de ta grâce. Amen. Merci de nous couvrir de ta gloire. Alléluia. Jésus de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que si une personne, tu as des douleurs au bas ventre, ça te fait mal, même présente-toi, viens pour prier, on puisse prier pour toi. Tu as mal au ventre, au bas ventre, là. Viens pour qu'on puisse prier pour toi. Ne te gêne pas, ne te gêne pas, n'attends pas la fin du culte, et puis après, on s'en va voir le pasteur. Hein? Déplace-toi, viens pour qu'on puisse prier pour toi. C'est ton ventre qui te fait mal, le ventre. Tu as mal au ventre, viens qu'on puisse prier pour toi. Maintenant, ne touche pas ça. Bien aimé, nous allons prier. Ça. Nous allons prier pour notre soeur. C'est le Seigneur. Prions que Dieu puisse la restaurer. Ça me fait mal présentement. Prions, prie, élève la voix. Élève la voix. Prie que Dieu, puisse toucher son ventre. Que Dieu puisse restaurer. Qu'elle sorte de ce lieu vraiment totalement guérie, totalement restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, élève Seigneur, la voix. Nous prions maintenant pour la sœur. Éternel, nous prions pour sa vie. Nous prions pour son âme. Seigneur, rentre-la au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons que ce ventre guérisse au nom de Jésus. Nous voulons que ta puissance descende sur elle.
Nous te la présentons, Seigneur. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Souviens-toi de sa vie. Manifeste-toi dans sa vie. Merci, Seigneur. Interviens dans sa vie. Qu'elle soit guérie. Que l'onction de ta puissance restaure son monde. Ce matin, restaure ce monde ce matin. Agis dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Père, tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure. Seigneur, interviens. Manifeste-toi au nom de Jésus. Alors, Seigneur, guéris cette douleur. Tu es capable de l'enlever. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Restaure sa vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta puissance vienne sur nous. Restaure nos vies. Restaure son ventre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ta puissance. Seigneur, que tout ce qui est maladie maintenant, Seigneur, batte. Seigneur, si tu as localisé son mal, c'est parce que tu voudrais la guérir. Et ce matin, je viens par l'autorité que tu m'accordes. Ce matin, par le pouvoir du nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, je viens proclamer la guérison ce matin. Ressens sa grâce de l'éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Touche. Bah, maladie. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci mon Dieu, tu restaures. Le Saint-Esprit travaille ton corps. Amen. Travaille ton âme. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui guérit. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit guérit. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le mal disparaît. Amen. À cause de ta grâce. Amen. À cause de ton miracle. Amen. Et ce matin, nous proclamons la guérison. Amen. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tout mal qui vient dans son corps, Seigneur, trouve ton sang précieux. Amen. Que tout mal qui vient dans son corps, Seigneur, trouve le sang de Jésus. Le sang qui circule dans ses veines. Par la puissance du nom de Jésus. Merci. Amen. De ce miracle. Merci de ta grâce. Père, je prie que ton esprit la fortifie, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elle vive un miracle incroyable à cause de ta présence et de ta puissance sur sa vie. Seigneur, que ton esprit la fortifie, que ton esprit la garde, que ton esprit la protège de tout mal. Seigneur notre Dieu, à partir d'aujourd'hui, que toute forme de douleur, que toute forme de mal au bavard, dysfonctionnement d'organes. Seigneur, je commande. Bam! 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 Karabasuku. Bam! Yokarabashika. La savie. Douleur sort. Sort. Au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci. Laisse le compter. Merci. Elle est très forte. Elle est forte. La parole est forte. Reste un petit peu. Elle est forte. Jésus. Merci de ta grâce. Oh, l'Esprit de Dieu est en train, je sens la lumière de Dieu en train de descendre sur sa vie. Je sens la lumière de Dieu en train de t'inonder, ma soeur. Dieu est en train de renouveler sa grâce sur ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de renouveler sa grâce sur sa vie.
Dieu est en train de l'inonder. Reste à côté d'elle, papa. L'Esprit de Dieu, une lumière est en train de l'environner actuellement. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Dieu vient renouveler encore sa présence sur ta vie. Dieu vient renouveler sa grâce sur ta vie. Dieu vient renouveler son alliance avec toi. La lumière de Dieu est en train de descendre sur elle. À l'instant même où je parle, cette douleur est en train de partir. Dieu te restaure. Ton Dieu est celui qui te guérit. Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Merci. Dieu s'élève pour toi, ma soeur. Le Seigneur s'élève pour toi. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu t'environne de sa grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Tu vas voir, avant la fin, ça commence déjà, la douleur commence par partir. C'est ça, non? Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ce dernier cantique qui dit qu'il a la parole de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, nous allons nous préparer à recevoir, parce que vous savez, ce matin, nous avons un culte spécial. Nous avons un invité spécial. C'est vrai qu'il n'est pas présenté parmi nous. Toute l'assemblée, déjà, nous le connaissons. Alléluia. Et c'est un culte spécial parce que nous nous préparons à entrer en 2022. Amen. Et donc, il était avec nous depuis le vendredi. C'était fort. Alors, bien-aimé, et aujourd'hui, il va clôturer ce moment. Amen. Et on va chanter ce cantique-là pour préparer notre cœur. On va lui donner le temps, hein, qu'il puisse faire le ministère comme il se doit. Amen. N'oublions pas, bien-aimé, nous sommes une assemblée charismatique. Et c'est pourquoi donnons le temps à l'Esprit de Dieu. Amen. Ne soyons pas ficelés sur, comme on appelle, sur le temps. Parce qu'à cause du temps, tu peux rater ton miracle. Deux fois, à cause du temps, tu peux rater ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et ne soyons pas des gens qui sont collés aux choses. C'est vrai, même si tu n'as rien ressenti. Mais la prière que tu vas faire avec l'homme de Dieu, bien-aimé, peut déclencher des choses. Amen. Alléluia. Amen. Et même des fois, on peut te dire prie, mais tu ne sais pas pourquoi on te dit de prier. Quelque part, l'acte que tu es en train de poser est en train, n'est-ce pas, d'impacter ta destinée. Est en train d'ouvrir les écluses des cieux. Est en train d'ouvrir, n'est-ce pas, comme on appelle, ton monde spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, sois attentif. Sois attentif au mouvement de l'Esprit. Sois attentif à l'œuvre de Dieu. Sois attentif à la main de l'Éternel. Amen. Sois attentif à la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh,
merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. C'est ça, papa. Celles qui sont là pour la première fois ou pour la deuxième fois, et à ceux qui sont là d'habitude, que le Seigneur vous bénisse. Mais je pense que moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. Le Seigneur nous donne la vie, il nous donne aussi la capacité à faire certaines choses, à rattraper celles que nous n'avions pas pu faire. Je pense que on est tous contents quand il y a un nouveau départ. On est tous contents quand il y a une seconde chance. Et pour tous ceux qui existent sur cette terre, nous savons que à chaque jour suffit sa peine. Je vais entendre quelqu'un dire, j'ai saisi ma seconde chance aujourd'hui. J'ai saisi ma seconde chance aujourd'hui. Par le pouvoir. Je pense que tu n'as même pas encore compris. Tu saisis ta seconde chance. Ça veut dire que si tu avais la possibilité d'accomplir ta destinée, que tu l'as ratée, tu reprends cette possibilité de l'accomplir. C'est ta seconde chance. Répète avec moi. Par le pouvoir. Par le pouvoir.
qui m'a été conférée par mon Dieu pour demander et recevoir, chercher et trouver, frapper pour que l'on m'ouvre. J'ai saisi ma seconde chance. Je possède et j'ordonne la manifestation. Amen. Alléluia. Bien aimé, on peut avoir un don, mais il ne se manifeste pas. On peut avoir une étoile, mais elle ne brille pas à cause des influences. On dit non, elle a la musique en elle, l'étoile de la musique. Elle sort des albums, ça passe inconnu. Elle sort des albums, ça passe inconnu. Jusqu'à ce que son étoile brille. Jusqu'à ce que son soleil brille. Et quand elle est en train de prospérer, on dit son soleil est en train de briller. Je vais entendre quelqu'un dire, mon soleil brillera. Mon soleil brillera. Mon soleil brillera. Tu vas maintenant chanter avec la chorale. Il est assis. Alléluia. Sur son trône. Pendant que la chorale est en train de chanter, saisis cette opportunité pour dire à Dieu, je t'adore. Alléluia. Chante de tout cœur. Seigneur, tu es trois fois saint. Tu es Dieu, tu es roi. Nul n'est semblable à toi. Est-ce que tu peux chanter à ton Dieu comme si c'était la dernière chose? Seigneur, nous tous. Bien aimé, je vais entendre quelqu'un dire, parce que d'habitude, on a l'habitude de dire, oh, je ne sais pas si vous sentez qu'il se passe quelque chose depuis le début même de ce culte. D'habitude, on dit, quelque chose va se passer. Non, moi, je crois qu'on a dépassé ce niveau-là. Je vais entendre quelqu'un dire, quelque chose se passe déjà. Quelque chose se passe déjà. Quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe dans mon foyer. Quelque chose. Je dis, est-ce que tu peux parler à ta vie? Ma vie. Oui. Ma vie, il faut que tu sois transformé. Il faut que je sois visité. Il faut que quelque chose de positif hein, se passe dans ma vie. Oh, bouscule ta vie là. Bien aimé, bouscule ta vie. Bouscule ta destinée. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Oui, il faut que quelque chose se passe dans cette église. Il faut que le plan de Dieu se manifeste. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie avant que je sois d'ici. Bien aimé. Amen, 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 amen. Vous savez, d'habitude, là, c'est l'ennemi qui provoque les circonstances. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Et il faut que tu parles à ta carrière. Il faut que tu parles au plan de Dieu pour toi. Il faut que tu parles à ta vie. Pendant que vous êtes en train de dormir, c'est l'ennemi qui vient parler à vos destinées. Et effectivement, quand vous vous levez, il y a des confusions, des disputes, des querelles. Parfois, il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'avais vu, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, il y a des gens qui contrôlent ta vie et ils disent ce qui doit se passer. Ils ordonnent ce qui doit se passer. Ils provoquent ce qui doit se passer. Ils manifestent des choses dans ta vie. Alors que toi, tu as le pouvoir de parler aux montagnes de ta vie pour que quelque chose se passe. Amen. Alléluia. J'ai dit,
Tu as le pouvoir de parler au plan de Dieu pour toi pour que quelque chose se passe. Amen. Et lorsque tu te mets debout et que tu dis bon mariage, je te convoque. Là où tu as mené dans les ténèbres, j'annule toutes les paroles, les ordres, les divorces qui ont été commandés depuis le monde des ténèbres. Je les annule. Papa. Amen. Un enfant de Dieu peut dormir pendant une semaine, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Alléluia. Tu ronfles même. Ils viennent même, ils envoient ventilateur. Il faut oublier même l'heure de ton rendez-vous. Mais le jour que tu commences à parler, prier, prophétiser, commander, ordonner et récupérer, en ce moment, la nuit, on t'attaque. Pourquoi? Alléluia. Quelque chose se passe. Amen. Ayez confiance à vos prières. Amen. Ne croyez pas que le pouvoir soit seulement donné au pasteur. Oh, Jésus. Voici ce qui arriveront à ceux qui auront cru. À mon nom. Vous marcherez sur les serpents. À mon nom. Vous guérirez les malades. À mon nom. Vous imposerez la main aux morts. Et les morts reviendront en vie. Pourquoi? Par votre foi, quelque chose se passera. Oui. Je ne sais quel certificat de mariage, de divorce ou de déchet, quoi. Ils ont pris un. Tu prends ton certificat de mariage par la foi et par l'autorité divine. Tu dis, mon mariage, je ne suis pas allé me marier pour divorcer. Au nom de Jésus, ce certificat de mariage, reçois la vie. Amen. Bien aimé, je te garantis que quelque chose se passera. Amen. Vous voyez, vous avez reçu le pouvoir, mais beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Alléluia. Amen. Vous avez des étoiles, mais certains ne savent pas comment réveiller. Tu peux être en train d'aller à un examen et puis quelqu'un se lève et puis il parle à ton examen. On va voir où ça va aller. Il parle à quoi? À ton examen. Alors que la parole de Dieu déclare que tu as reçu le pouvoir dans ta bouche pour parler aux montagnes de ta vie. Amen. Quand tu parles avec autorité, quelque chose se passe. Amen. Cessez de pleurer, de murmurer, de bouder et de courir derrière les hommes de Dieu. Vous aussi, quand vous priez, quelque chose se passe. Amen. D'ailleurs, parfois, même les hommes de Dieu prient pour vous et vous avez dormi, il n'y a rien qui se passe. Vrai ou faux, papa? Mais si tu décides de prendre un moment de jeûne et de commencer à taper, à frapper, tu passes trois nuits seulement sans dormir. Le monde des ténèbres se réveille. On vient te gratter, on vient te toucher, on vient te poursuivre, on te bombarde même. Pourquoi? Parce que par ta prière, quelque chose se passe. Amen. Alors pourquoi avez-vous autant peur? Alléluia. Quand c'est vous qui provoquez les circonstances, quand c'est vous qui bousculez les événements de la vie, quand c'est vous qui secouez l'ennemi, au point où même les morts viennent vous visiter pour vous dire, hey, arrêtez vos affaires là. Alléluia. Pourtant, quand vous ne faites rien, il ne se passe rien. Donc vous avez maintenant le pouvoir. Amen. Asseyez-vous un instant. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi jamais les chrétiens n'obtiennent les promesses de Dieu. Hier, ce n'était pas ce que je préparais comme message. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a saisi et il m'a dit de prêcher sur le pouvoir, j'ai commencé à écrire. Rapidement, quand j'ai fini d'écrire, j'ai dit, Seigneur, wow, ça c'est un secret. Le pouvoir. Papa, tu peux voir quelqu'un qui ouvre sa boutique, ça ne marche pas. Il va en Guinée, au Sénégal, il va prendre un pouvoir satanique. Et le matin, tout le monde est aligné. Il pleut, les gens sont là. Pourquoi il allait prendre un pouvoir satanique? Tu peux voir quelqu'un qui n'est rien, il va voir un féticheur pour aller faire un pacte humain diabolique, tuer quelqu'un, verser son sang, pour avoir des puissances sataniques. Et tout à coup, le voici en train de régner. Pourquoi? Il est allé prendre le pouvoir. Et lorsque Dieu me parlait, j'ai dit, waouh! Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a rendu triste. Pourquoi? J'ai vu en cela des temps gâchés, des efforts pour rien. Et le Saint-Esprit m'a dit, on ne prie pas pour avoir une chose, on demande le pouvoir pour l'avoir. Amen. On ne prie pas pour avoir l'enfantement. On prie pour avoir le pouvoir qui donne l'enfant. Amen. Et il m'a montré, il dit, quand l'ange est venu dire à Marie,
que tu enfanteras. Il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi et te couvrira. Amen. Donc l'ange est venu donner à Marie le pouvoir. Amen. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir. 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 Le Seigneur Jésus a pris plus de 3 ans pour former ses disciples. Et encore là, ils étaient encore incapables de chasser les petits démons là. Tu n'as pas remarqué, papa? Ils ont chassé un démon jusqu'à ce que Jésus qui est venu gérer l'affaire. Tout comme aujourd'hui, les chrétiens chassent, ils partent, ils chassent, ils chassent. Satan dit, je ne bouge pas. Et le jour, un pasteur vient avec l'autorité qui lui a été conférée, dit, au nom de Jésus, sors! Boum! Satan, tu as prié 20 ans, toi-même, tu n'es jamais tombé. Mais il fallait quelqu'un qui a le pouvoir. Amen. Et Jésus a bien dit, hein, je vous ai donné le pouvoir. Tu ne peux jamais entrer dans ta destinée et faire briller ton étoile sans avoir le pouvoir. Tu peux ouvrir une église, tout le monde dépasse pour aller ailleurs. Ils vont même plus loin alors que tu es à côté. Pourquoi? Tu n'as pas encore reçu le pouvoir. Mais le jour que le Saint-Esprit est descendu et qu'il les a remplis en leur donnant le pouvoir, la puissance de marcher, de faire des miracles. Même la sueur de Paul là, je crois, non? Sur une mouchoire, touche quelqu'un et puis il guérit. À cause de quoi? Le pouvoir. Amen. Le manteau de pouvoir d'Élie a rendu Élisée célèbre. Élisée est mort. Même son cadavre, ses ossements ont ressuscité, est mort. À cause de quoi? Il y avait du pouvoir. Amen. Et hier, le Seigneur m'a dit, on ne va pas dans la prière. Tu peux arracher ce qu'on t'a volé. J'arrache mon mariage, j'arrache mon église. Ça, c'est bon. Tu peux casser, briser, détruire. Mais si tu veux accomplir ta destinée, il te faut le pouvoir. Si je me trompe, vous pouvez me le dire. Frère, si je me trompe, il faut dire frère. Aujourd'hui, tu t'es trompé, je te reprends et je serai d'accord. Il est écrit quoi en Josué 1, verset 8? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a quelque chose que je suis en train de révéler là? La force pour les acquérir, pour acquérir les promesses, pour accomplir les promesses, pour réaliser ton plan, le plan de Dieu pour toi. Donc sans la force qui est le synonyme du mot pouvoir, force veut aussi dire pouvoir, puissance, autorité, tu ne peux pas te recevoir. Les gens se fatiguent à jeûner. Oh papa, mon mariage. Oh papa, mon mariage. Mariage, même ça passe à côté de toi, même ça pour aller même chez ta cousine. Tu dis même c'est moi qui voulais ça parce que tu n'avais pas le pouvoir. Je te dis la vérité. Le jour que tu as pouvoir, la garçon te supplie même pour aller voir ton père et ta mère. Mais quand tu n'as pas pouvoir, tu l'appelles pour dire hey, mon papa dit de venir payer la dot. Ça fait longtemps que tu me fatigues là. Et puis, il dit, ton papa dit combien? Il dit $500. Il a même été gentil. Le gars dit, non, dis à ton père, je donne $100. S'il ne prend pas, il laisse. Ça, c'est foutaise. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a une soeur qui était choquée. Parce que le gars, il est là, et il joue les voyous. Il dit, il faut que tu me maries. Mon pasteur dit que si on ne se marie pas là, ce qu'on fait là, c'est péché. Il dit, ok, il faut appeler ton papa. Il a appelé le papa. Le papa a envoyé son montant et le gars, il envoie son montant aussi. Il dit pour lui, dit, je donne 100 euros, il ne prend pas, il laisse. Mais bien aimé, quand tu as le pouvoir, même si ton père et ta mère disent on veut 100 millions, le gars va chercher. Parfois même c'est toi qui demande pardon, le gars diminue, il dit non, laisse, j'accepte. Amen. Même s'il faut qu'il aille s'endetter. Parce que l'onction, l'autorité, la grâce du mariage que Dieu a déposé sur toi, c'est tellement fort que parfois même tu es en train de célébrer ton mariage et puis il y a des candidats en attente. Ah! J'ai dit, tu es dedans et puis ils sont là-bas et disent, je t'attendrai. Le pouvoir. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, où est-moi? Seigneur, où est-moi? Si le Seigneur dépose sa puissance dans votre main, vous allez presser quelqu'un, même zigouille cheveux là, même il parle à certains voix clients.
toi-même, tu es étonné, on te dit non, c'est à cause de la coiffure que tu as fait pour la sœur là que moi je suis venu chez toi. Tu te dis, mais ce jour, j'ai fait quoi même? Oh, tu t'es fatigué, mais ça envoie quoi, client? Tu mets ta main dans sauce, ça ne se gâte pas, mais quand tu as la poisse dans ta main, tu caresses sauce là comme. Tu goûtes seulement, mais le lendemain, là, c'est décomposé. Le lendemain, même, tu oublies d'aller verser, jeter les poissons, les viandes, tout ça va pour rien. Vous voyez? Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui. Qu'on décortique le secret, ma soeur, mon frère, mes parents ici, mes frères et sœurs, ceux qui me suivent en ligne. Si vous fléchissez genoux pendant 20 jours, Seigneur, je veux le pouvoir d'exceller à tous égards. Vous ne demandez rien d'autre. Si le Seigneur vous touche, vous serez étonné. Il n'y a pas un seul serviteur que Dieu a envoyé sans lui donner le pouvoir. Il envoie Moïse et pour que Moïse soit capable d'accomplir sa destinée, sa mission, il dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Voici pourquoi je veux que quelqu'un dise, il est assis, chante avec moi, sur son trône élevé. On se lève s'il vous plaît. Et tous dans les cieux iront hommage. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint. L'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Bien-aimé, tu sortiras d'ici édifié, armé, et tu sauras pourquoi tu as cherché beaucoup de choses que tu n'as pas eues. Amen. Amen. Alléluia. Tu sauras pourquoi tu as longtemps cherché, tu n'as pas vu. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a plusieurs stratégies. Quand on te combat, tu peux répliquer pour repousser l'ennemi. Vrai ou faux? Quand on t'arrache quelque chose, tu peux aller combattre pour reprendre. Quand on t'a volé, tu peux exiger la restitution. Mais si tu veux influencer, avoir la prospérité et puis bon, que ton nom soit connu partout dans le monde, tu as besoin du pouvoir. Ça dit que ton nom seulement est tellement puissant et grand que dans le monde entier, on dit c'est de toi seul qu'on parle. À cause de quoi? Du pouvoir que Dieu a mis dans ton nom. Amen. Le pouvoir. Tu vas dire merci à Dieu et tu vas prier vraiment très intensément parce qu'on va prier avant de parler de ça. Tu vas dire à Dieu que toute puissance hein, que l'ennemi utilise pour te maintenir là, que cette puissance soit détruite. Papa, tu as déjà vu quelqu'un qui allait faire quelque chose contre quelqu'un sans utiliser des pouvoirs sataniques? Tous les jours, vous voyez des gens qui jettent des calibasses, qui jettent des trucs et autres. Ce sont des puissances démoniaques qu'ils utilisent pour vous combattre, c'est vrai ou faux? Alors que Dieu nous dit en Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir. Amen. Jésus a formé les gens, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, là maintenant vous serez les témoins. Amen. Tu ne peux jamais être le témoin de Dieu si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit te donne le pouvoir. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple banal. Hein. Avez-vous déjà vu des choses que vous aviez poursuivies sans avoir? Des gens à qui vous vouliez parler, mais ça n'a pas marché. Des hommes avec qui vous étiez, mais ça n'a pas fonctionné. Mais tout à coup, vous commencez à jeûner et prier. Une semaine après, tout le monde vous appelle. Tout le monde veut vous revenir. Tout le monde vous supplie pour revenir. Pourquoi? La prière vous a donné le pouvoir. Ici, on peut savoir comment orienter sa papa. Même ceux qui sont partis de l'église, ils reviennent. Ils sont même, tu es même étonné. Tu dis, ah, je vois qui derrière là-bas. Eh, Jésus. Alléluia. Parce que là, ils ont entendu que quelque chose se passe. Amen. Le jour où ils vont entendre que tu te maries, ils vont savoir que quelque chose se passe. Amen. Et pour que quelque chose se passe, il te faut quoi? Le pouvoir.
Et l'ennemi est tellement malin qu'il sait que pour que les enfants de Dieu n'aient pas de pouvoir, il faut mettre les confusions, la tentation, les bêtises. Tant qu'ils sont dedans, il n'y a pas onction. Et il prie, même la nuit, même le mari de nuit dit, tu m'as chassé, mais je suis là. Parfois, tu pries, c'est là même qui vient, parce qu'il n'y a aucune puissance dans ta prière. Tu pries même, tu sais pas que tu vas manger au village. Tu manipules comme ça, il t'appelle au Congo sans billet d'avion, et puis tu es là-bas. Tu es même étonné, parfois tu es choqué, tu dis, c'est qu'elle a fait ça. Ou j'ai pris, puis je me vois au campement. Moi, j'ai pris pour me retrouver à Washington, je me retrouve à Gezabo. Quelle affaire. Alors, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas lui dire, je connais. Élève la voix et dis merci à Dieu, prions. Je veux entendre ta voix. Je vais te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour la famille. Merci pour cette église. Merci pour papa. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont là. Seigneur Dieu, lève la voix et dis-lui merci. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour les révélations. Merci Seigneur pour ta puissance dans notre vie. Seigneur, je te remercie parce que ces sœurs-là vont avoir le pouvoir d'utiliser leurs dons, le pouvoir de réussir. Ces frères vont avoir le pouvoir. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de ton pouvoir. J'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais élève la voix et dis-lui merci. Parce que tu sais qu'il va te bénir. Seigneur, je te rends gloire pour tout. Merci Seigneur pour ma famille, pour cette église. Merci Seigneur pour les frères qui sont là. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Et je vais t'entendre parler fort. Répète avec moi. Seigneur. Seigneur. Que toute puissance du monde des ténèbres que mes ennemis utilisent pour me maintenir ici en retard soit brisée. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libéré de puissance de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus, que toute puissance, toute force assise sur cette église, sur ma vie, dégage. Au nom de Jésus, que toute chose qui donne le pouvoir aux sorciers pour me combattre soit brisée. Sois brisé au nom de Jésus. Je sors de la captivité. Je sors du retard. Je sors du fétichisme. Je sors des envoûtements. Au nom de Jésus. Ma vie, écoute-moi. Ma vie, écoute-moi. Je déclare et je décrète ta liberté. Au nom de Jésus. Tu vas dire ton nom, mais je veux que tu te trompes pour dire mon nom. Éloge qu'ici, au nom de Jésus, je te libère. Éloge qu'ici, réveille-toi et manifeste-toi. Accomplis ta destinée, au nom de Jésus. Tu vas dire parole vivante. Sors de la stagnation, au nom de Jésus. Pointe le doigt au sol. Faut dire terre, 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 terre de ce pays. Aujourd'hui, tu me laisseras réussir. Tu me laisseras réussir. Tu ne supporteras aucun de mes ennemis. Terre, terre, tu vomis ma vie, vomis mes biens, vomis au nom de Jésus. Maintenant, lève la main au ciel. Tu vas maintenant parler avec autorité à ton étoile. Tu vas dire à ton étoile, libère-toi des couvertures sataniques. Libère-toi des voiles sataniques. Sors de la captivité et manifeste-toi. Prions dans le nom de Jésus. Tu parles à ton étoile. Tu dis à ton étoile, mon étoile, libère-toi de la captivité satanique. Il faut prier avec autorité. Libère-toi de la captivité satanique. Mon étoile, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Libère-toi, tu sors de la captivité. Alléluia, il faut prier. Libère-toi. Libère-toi.
Oui, son étoile, ton étoile doit te libérer, doit se libérer. Que ton étoile brille aujourd'hui. Parle avec autorité. Oui, plus fort. Plus fort. Mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Libère-toi. Libère-toi, 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 libère-toi. Mon étoile, mon étoile, mon étoile, l'étoile de mon ministère. L'étoile, 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 l'étoile. Libère-toi, libère-toi. Aujourd'hui, tu te libères. Mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile. Libère-toi, libère-toi. Alléluia. Il faut parler à ton étoile. Mon étoile, libère-toi. Libère, 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 libère-toi. Libère-toi de couverture. L'étoile de mes enfants soit libérée. Mon étoile, au nom de Jésus. Libère-toi. Libère-toi. Libère-toi, 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 au nom puissant. Mon étoile, ma vie, mon étoile. Libère-toi. Libère-toi de la captivité. Libère-toi. Libère, 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 libère. Mon étoile, libère, 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 libère-toi. Tu sors de la captivité. Tu sors de la captivité. Libère-toi. Reçois la puissance et libère-toi. Mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile. Libère-toi. Libère, 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 libère-toi, 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 libère-toi. Au nom de Jésus, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, libère-toi. Oui, Seigneur, que mon étoile se libère. Au nom de Jésus. Dans le prochain sujet, je veux que tu pries plus. Vous savez que ça, c'est un culte de délivrance. L'une des choses dont les enfants de Dieu ont besoin, c'est de délivrance. Amen. Je vous garantis, papa, tout le monde ne manque pas de la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des gens même qui ont fini la Bible 10 fois. Mais leur vie est bloquée. Ils ont besoin de délivrance. Jésus-Christ est venu et dit, je suis venu pour délivrer ceux qui sont captifs. C'est ce qu'il a dit. Amen. 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 Et vous devez savoir que à votre vie sont attachés des symboles que vous devez maîtriser. Des symboles. Voici pourquoi Job, pour avoir sa délivrance, la Bible déclare que Job prit la parole et maudit le jour de sa vie. Il a fermé toutes les portes qui étaient ouvertes le jour de sa vie. Le psaume 121 nous dit, ton soleil ne se couchera point et ta lune ne s'obscurcira point. Ça, c'est un symbole de bénédiction. Voici pourquoi quelqu'un a dit que pour que les sorciers détruisent la vie de quelqu'un, il leur faut la date de naissance pour aller voir si c'est le soleil ou la lune qui a vu la personne naître. Et c'est là maintenant qu'ils vont aller maintenant parler sur sa vie pour détruire la vie de la personne. C'est pour ça qu'on ne donne pas sa date de naissance à n'importe qui. Un ami m'a appelé et dit, tu es né en quelle année? Tu n'es même pas un chrétien. Il insistait, je lui ai dit, mais tu veux mon date de naissance pourquoi? Alors je lui ai dit, une date pas mal comme ça, il a regardé, puis il a souri, il dit, on dirait que tu sais. J'ai dit, oui, je sais. Je sais. Il s'appelle, bon, je ne dis pas son nom, peut-être pas voir la vidéo. Je savais. Pour inverser la vie de quelqu'un, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui vous persécutent, là, si ce n'est pas les gens de votre famille qui savent que vous êtes nés ou ils ont enterré votre placenta, ou ce sont eux qui vous persécutent. Et j'ai rendu mon dernier témoignage. Quand l'artiste chanteur Nestor David était en train de cartonner, j'étais content. J'ai dit, mais Seigneur, tu bénis les gens et autres. Et j'avais même pas parlé de Nestor David dans ma prière. J'ai insisté, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie bouge? Je ne comprends rien et autres. J'étais au Ghana, je vous l'assure. La nuit, j'ai dormi. J'ai vu l'artiste ivoirien Nestor David. Il était arrêté quelque part, il chantait. Et son soleil brillait fort. Papa, son soleil brillait. Je me suis réveillé, j'ai entendu dans mon esprit. Tu vois Nestor David?
Il prospère parce que son soleil brille. Ce jour-là, Dieu m'a inspiré de prier pour libérer mon étoile et mon soleil. Après le même jour, j'ai fait un songe où je suis allé dans une salle et il y avait des chaussures qui étaient déposées. Et il y avait un homme, un gardien qui gardait ça. Il m'a ordonné, il dit, prends cette chaussure et sauve-toi. Quand j'ai pris la chaussure, que j'ai bondi, j'ai vu un grand soleil qui s'est élevé. Jusqu'à aujourd'hui, ce soleil influence ma vie encore. Amen. Tu vas parler au soleil du Père. Je vous ai déjà dit que votre problème, c'est parfois des petits trucs qui vous manquent. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que mon soleil se lève aujourd'hui. Le soleil de ton mariage, le soleil de tes projets. Que les ténèbres se dissipent, que ton soleil se lève. Tu vas parler, tu ne vas pas être parmi ceux-là qui travaillent dur pour avoir seulement qu'un peu. Amen. Alors qu'il y a des gens qui font pas des efforts, qui font pas assez d'efforts et ils ont tout. C'est pas normal. Alors tu vas parler, tu vas ordonner à ton étoile et à ton soleil de briller. Tu es prêt? Répète avec moi d'abord. Seigneur, 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 que mon étoile brille. Que mon étoile brille. Plus fort. Seigneur, Seigneur, que mon étoile brille. Que mon soleil se lève. Et que les ténèbres s'éloignent de ma vie. Que les nuages dégagent. Seigneur, que mon étoile brille. Au nom de Jésus. Que mon soleil se lève. Au nom de Jésus. Soleil de ma vie, je te l'entonne. Tu vas aller cette fois. Au nom de Jésus, lève-toi. 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 Lève-toi encore. Plus fort. Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas ordonner. Répète avec moi. Tout agent des ténèbres qui est venu s'asseoir sur ma vie. Tout sorcier de ma famille qui est venu s'asseoir sur ma vie. Bien aimé, tu vas aller 20 fois et je vais entendre. Si ce n'est pas bien fait, on va reprendre pour qu'il soit bien fait. Tu vas ordonner tout pouvoir qui est venu s'asseoir sur ma vie. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors, 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 plus fort. Il faut prier. Tout pouvoir qui est venu s'asseoir sur ma vie. Je te l'ordonne. Il faut prier avec autorité. Sors, 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 plus fort. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tout pouvoir qui est venu s'asseoir sur ma vie. Je te l'ordonne. Sors de ma vie. Sors, 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 sors. Tout pouvoir qui est venu s'asseoir sur ma vie. Qui est venu s'asseoir sur ma vie. Qui est venu s'asseoir sur ma vie. Il faut prier. Je te l'ordonne. Sors, 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 plus fort. Qui est venu s'asseoir sur mon étoile. Je te l'ordonne, dis-lui de partir. Tout sorcier de ma famille, tout agent des ténèbres, qui est venu s'asseoir. Sors, 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 plus fort, plus fort. Tout pouvoir assis sur ma vie. Je te l'ordonne. Sors. J'ai dit de les chasser. Plus fort. Plus fort. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire à ton âme. Mon âme. Mon âme. Où que tu sois emprisonné. Par le pouvoir. Qui m'a été conféré. Par Jésus. Pour demander et recevoir. Je t'ordonne de sortir de la captivité. Tu vas dire à ton âme de sortir pendant 7 fois avec autorité. Dis, mon âme, où que tu sois, au nom de Jésus, je te l'ordonne. Sors, 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 plus fort. Mon âme sort. Tu sors de la captivité. Sors, 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 sors. Plus fort. Sors dans le nom de Jésus. Sors, 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 sors. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Sors du village. Sors.
Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur l'envoûtement qui t'est fatigué. Répète avec moi, envoûtement. Il va sortir. Envoûtement. Envoûtement. Esprit derrière l'envoûtement. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Ton temps est terminé. Esprit d'envoûtement dans ma vie. Je te l'entends. Sors. Au nom de Jésus, je détruis la racine de l'envoûtement. Je brise maintenant la racine de l'envoûtement. Je brise maintenant. Alléluia. Je brise. Tu libères sa vie. Tu libères. Tu libères maintenant sa vie. Je brise maintenant. Cet esprit-là qui te contrôlait doit partir. Sa mission est terminée. Au nom de Jésus, il faut prier. Envoûtement. 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 Ta mission est terminée. 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 Envoûtement. Envoûtement. Le feu de Dieu maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu. Envoûtement. 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 Tu parles de sa vie maintenant. Je prends autorité. Je te la donne. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Sors. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Je te la donne au nom de Jésus. Tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Sors. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu libères sa vie. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Et puis avec autorité. Merci Jésus. Tu reçois ta guérison. Bien aimé, on va libérer l'étoile. Mais l'homme fort doit partir. L'homme fort, sa mission est terminée. Répète avec moi. Homme fort. Gardien des portes de mes destinées. Gardien des portes de ma destinée. Tout pouvoir. Tu as pour mission de me suivre partout. Au nom de Jésus. Pas de sa vie. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout gardien des portes de ta destinée. Pas. Libère. Pas. Au nom de Jésus, tu la libères. J'ai dit sors de sa vie. Sors. J'envoie maintenant le feu. Le feu. Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui garde les portes de mes destinées. Pas de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise sa mise. Je brise son emprise sur sa vie. Je brise. Je brise. Je brise. Par le sang de Jésus, je te l'ordonne. Tu pars de sa vie. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta restauration. Reçois, 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 reçois le feu de Dieu maintenant partout. Le feu te guérit. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet esprit de Marie de lui s'en va. Il s'en va maintenant. Oh oui, je brise le mariage spirituel dans ta vie. Je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise maintenant, je brise l'emprise de l'homme fort, je brise maintenant ce qu'ils ont fait, je détruis tous les travaux, je brise au nom de Jésus, je brise, 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 sors de sa vie, sors, je détruis tout ce qu'ils ont introduit dans ta vie, je détruis, je détruis, je détruis par le feu de Dieu, maintenant par le feu de Dieu. Je détruis maintenant ce qu'ils ont fait dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Répète avec moi. On va retourner à l'autre point de prière. Bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Répète avec moi. Toutes choses. Toutes choses. Pose ta main sur ton ventre. Toutes choses. Toutes choses. Qui ne vient pas de Dieu. Mais qui vit en moi. Retourne à l'envoyeur. Toute chose, pose ta main sur ton ventre, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vit, on dit pose ta main sur ton ventre, ventre c'est ici. Toute chose, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vit en moi, ta mission est terminée, ferme les yeux et prie, fermez vos yeux et priez. Ta mission est
Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Tu vas pousser très fort. Sors. Sors. Je ne veux plus de toi. Sors. 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 Toute chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient à moi, je te l'ordonne. Sors. Je ne veux pas de toi. Sors. 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 Toute chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient à moi. Qui vient à moi, je te le donne plus fort. Au nom de Jésus, toute chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vit en moi, sors. Sors, 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 sors. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dire à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ordonne à mon soleil de se lever et de briller dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à mon soleil de se lever et de briller dans le nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, je parle à mon soleil, je parle à mon étoile, je leur ordonne de briller dans le nom puissant de Jésus. Je vous parle au nom de Jésus, je vous parle, je vous parle, je vous parle, au nom de Jésus. Lève la main un peu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est trop froid. Aujourd'hui, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, puissance, je déclare que je sors de la stagnation. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je déclare que j'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je récupère tout ce que j'avais perdu. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je reprends ma place, ma vie, mes chances. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je reprends tout ce qui m'avait été volé. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, j'annule tout programme de mort sur ma vie. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je reçois la faveur, la grâce pour prospérer. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je brise la limitation, les blocages et les barrières. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je dégage tout homme fort assis à ma place. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je renverse tout homme fort qui garde les portes de mes destinées. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, j'appelle toute bonne chose qui m'a été volée. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je me libère de l'envoûtement, je me libère des paroles, je me libère de la méchanceté, je me libère de l'échec. Au nom de Jésus, tu vas dire lève-toi et brille cette fois. Mais après t'être trompé pour dire mon nom, lève-toi et brille, lève-toi et brille. Tu peux dire éloge, ça va tellement me faire plaisir. Répète avec moi. Éloge, je te l'ordonne. Ton temps est arrivé. Au nom de l'Éternel, lève-toi et brille, 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 lève-toi et brille. Au nom de Jésus. Tu vas dire, mon étoile, ainsi parle l'Éternel, ton temps est arrivé, au nom de l'Éternel, écoute ma parole, je te l'ordonne, lève-toi et brille, 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 plus fort, lève-toi et brille, 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 plus fort, plus fort. Plus fort, 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 plus fort,
de Jésus. Répète avec moi. Oh éternel Dieu d'Élie. Lève-toi. Et mets-moi à ma place. Au nom de Jésus. Oh éternel. Dieu d'Élie. Lève-toi. Et mets-moi à ma place. Lève-toi. Et combat mes ennemis. Oh éternel. Dieu d'Élie. Lève-toi. Et combat ceux qui me retiennent. Combat ceux qui me retardent. Combat ceux qui sont assis sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, tu vas faire ça. Seigneur, ça va chauffer. Seigneur, par ta puissance, j'ai saisi le souffle de vie de mes ennemis. J'ai saisi le souffle de vie de mes ennemis. J'ai saisi le souffle de vie de mes ennemis. Tant qu'il ne me libère pas, je ne relâcherai jamais. Je ne relâcherai jamais mes ennemis. J'ai saisi votre souffle de vie. J'ai saisi votre souffle de vie. J'ai saisi vos années de vie. Tant que vous ne me laissez pas tranquille, je ne libère jamais. Je ne libérerai jamais. Je saisis. Je saisis. Je saisis. J'arrache les yeux. J'arrache le cœur. J'arrache la parole à mes ennemis. J'arrache le souffle de vie à mes ennemis. Arrache, j'arrache, 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 j'arrache. Ne laisse rien, ne laisse rien. Encore, encore, encore. Oui, arrache, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Arrache, arrache, arrache. Il n'a aucun pouvoir. Laissez-la, elle rentre dans sa destinée. J'arrache, j'arrache, j'arrache. Il faut arracher. Je reprends, j'arrache tout ce qu'ils m'ont volé. Arrache, 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 arrache. Hey, 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 hey. Plus fort, j'arrache, arrache le souffle de vie aux voleurs spirituels, aux voleuses, aux sorcières de ma famille. J'arrache et j'enferme, 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 j'arrache, 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 j'arrache. Reçois tout ce qu'ils t'ont volé. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache maintenant au nom de Jésus. Répétez avec moi. Mes années de vie. Mes années de vie. Mes années de vie. Ma santé. Que faites-vous dans le camp de mes ennemis? J'accomplirai le nombre de jours que Dieu a prévu pour moi. Tout individu en train de travailler fort dans les ténèbres, tout sorcier, esprit ou démon en pleine activité dans le monde des ténèbres, pour me tuer cette année, tu t'es trompé de personne. Au nom de Jésus, par la puissance, la parole de Dieu dit, j'ai reçu le pouvoir pour arracher. Pourquoi? Pour arracher. Au nom de l'Éternel, j'arrache le souffle de vie de mes ennemis. J'arrache, 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 j'arrache. Plus fort. J'ai dit d'arracher. Arrache, arrache. Il faut arracher. Arrache. Plus fort. J'ai dit j'arrache le souffle de vie de l'homme fort qui a juré que je ne vais jamais aller quelque part. J'arrache, j'arrache, j'arrache aux sorciers à la base de mon malheur. J'arrache, arrache, 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 arrache au nom de Jésus. Répète avec moi. J'ai reçu le pouvoir. La parole de Dieu dit pour couper. Homme fort. Assis à ma place. Tu es un voleur. Au nom de Jésus, j'ai saisi la tête de l'homme fort. Et je brise son cou au nom de Jésus. J'ai saisi et je brise. 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 J'ai saisi et je brise.
je saisis et je brise, je saisis et je brise, je saisis et je brise, 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 au nom de Jésus. Il est écrit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute langue maléfique qui me maudit, qui maudit mon mariage, qui maudit mes finances et ma vie toute entière, je te saisis et je t'arrache. Je te saisis et je t'arrache. J'arrache toute langue qui me maudit. Il faut arracher toute langue qui me maudit nuit et jour. Toute langue qui maudit mon nom, qui maudit ma vie, qui maudit. J'arrache. Il faut arracher toute langue qui ne fait que combattre mes affaires. J'arrache toute langue de la sorcellerie qui me combat depuis la fondation. Toute langue jalouse, toute langue jalouse qui est en train de dénigrer ta vie. J'arrache, 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 j'arrache. Arrache plus fort. Arrache la langue de ces sorciers. J'arrache, 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 j'arrache. Plus fort. Hey, 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 hey. Vas-y, 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 vas-y. J'arrache, j'arrache, j'arrache tout ce qui m'ont volé. J'arrache, j'arrache, j'arrache ma place, ma vie, mes chances, ma place. Il faut arracher. J'arrache, 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 j'arrache. Au nom de Jésus. Répète avec moi. Ma vie. Ma vie. Mon mariage. Mon mariage. La volonté de Dieu pour moi. On ne peut pas vous enterrer. Tu vas même dire ton nom. Si tu t'appelles Jocelyne, tu vas crier Jocelyne. Victor. Éloge. On ne peut pas t'enterrer. Mon mariage. Mon portefeuille. Mon église. Mon enfantement. On ne peut pas vous enterrer. Toute chose dans ma vie qui a été confiée aux rivières, aux ancêtres, aux parents décédés, au cimetière et à la terre. Au nom de Jésus, on y va cette fois. Sors, 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 et sors. Ça, c'était l'échauffement. Tu vas aller 20 fois. Vous allez voir ce que ces prières vont apporter dans votre vie. Amen. Répète avec moi. Il est écrit dans la loi. Oh, les papas là, ils prient trop en choco là. Papa, il faut parler comme un homme. Il est écrit dans la loi. Il a englouti les richesses. Il les vomira. Il rendra ce qu'il a pris. Il les vomira. Et Dieu les chassera de son ventre. Seigneur, que tout sorcier qui a avalé ma vie, mes chances, mes biens, mon portefeuille, mes années et mon temps les vomissent. Au nom de l'Éternel, je marche sur le ventre de tous les avaleurs. Je marche maintenant. Je brise les côtes de l'homme fort. Je brise son cou. Je marche maintenant. Je marche maintenant. Oh oui, je marche sur le ventre de ceux qui ont avalé mes richesses. Je marche. Je marche. Je marche. Vomissez ma vie. Tout pouvoir qui a avalé ma vie. Je piétine ton ventre. Je brise tes côtes. Je brise. Je brise tes côtes. Je fracasse. Je marche. Je marche. Je piétine. Je broie. Oh oui, tu vomis. Toute voleuse qui a avalé ma bénédiction. Je brise tes côtes. Je marche, je marche, je marche, je marche. Je marche. Vomissez. Tout ce que vous m'avez volé. Vous vomissez. Je marche. Oh oui. Je brise le ventre. Je brise la côte. Je brise. Il faut marcher. Il faut marcher. Je marche. Je bouge trop vite. Je marche. Je dis qu'il vomisse. Qu'il vomisse ta vie. Qu'il vomisse ton bonheur. Je marche. Je marche. Sur les avaleurs. Ils n'ont pas le droit d'avaler ton mariage. Ils n'ont pas le droit d'avaler tes années de vie. Oh oui. Il faut briser les côtes. Je marche sur l'homme fort. Je brise sa mâchoire. L'homme fort qui est assis sur ma carrière. Vomi, 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 vomi. Je marche, je marche. L'homme fort qui a piraté tes affaires. L'homme fort
détourner tes chances. Il doit les vomir. Vomir. Les avaleurs doivent vomir. Les avaleurs doivent vomir. Les crocodiles de famille doivent vomir. Doivent vomir. Les crocodiles de famille. Vomissez, vomissez, vomissez. Je marche, je brise, je fracasse la mâchoire. Je brise la hanche de l'homme fort. Je brise la hanche de l'homme fort. Je fracasse ses bras. Je fracasse. Je fracasse. Oh, nom de Jésus. Répète avec moi. Homme fort derrière mes problèmes. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Tu vas aller 7 fois. Et encore 7 fois, au nom de Jésus, homme fort, femme forte, qui tient ma vie en captivité, au nom de Jésus, meurs, 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 au nom de Jésus. Répète avec moi, homme fort. Oh non, je crois que tu n'as pas bien compris. Femme forte. Ennemi de mon étoile. Ennemi de mon bonheur. Ennemi de ma vie. Dans ce pays qui me crée tous les problèmes possibles. Au nom de l'Éternel, je te l'ordonne. Meurs, 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 meurs. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Au nom de Jésus. Répétez avec moi. Je suis citoyen du royaume des cieux. Tout agent des ténèbres qui me combat au nom de ma mère, qui me combat au nom de mon père, qui me combat au nom de mes erreurs passées. Les choses anciennes sont passées. Je suis citoyen du royaume des cieux. Le sang de Jésus coule en moi. J'ai une nouvelle identité. Tout pouvoir. Utilisant le nom de ma famille. Le nom de mes homonymes. Le nom des gens de ma famille. Pour me réclamer. Pour me combattre. Au nom de Jésus, je déclare que je ne vous appartiens plus. Je ne vous appartiens plus. Sortez de ma vie. Libérez ma vie. Libérez mon ministère. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui me combat. Au nom du lien de sang. Au nom de mon père et de ma mère. Ta mission est terminée. Je réclame ma liberté. Je réclame ma libération. Si tu refuses, au nom de Jésus, je te l'ordonne. Meurs, 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 au nom de Jésus. Tout pouvoir de ma famille qui me suit pour gâcher mes chances, pour gâcher ma vie. Tu es qui? Au nom de l'Éternel, je te l'ordonne. Rends-moi mes bénédictions. Rends-moi ma vie. Rends-moi mes bénédictions. Tout agent des ténèbres qui a juré que jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'elle meure, je ne serai rien. Je saisis ton cœur et je le dépose. Je saisis le souffle de ta vie et je dépose. Je saisis ton âme et je la dépose. Du moment que c'est toi qui as déclaré ça, je saisis ton cœur et je dépose. Au nom de Jésus, j'écrase au nom puissant de Dieu. Je vois, je casse, je détruis, je brise, je fracasse, je détruis. L'homme fort, j'écrase ton souffle. Je bois. J'ai détruit, tu dois me laisser tranquille. Je bois, je bois, je bois, je bois, je bois, je bois, j'écrase. Sors de ma vie. Je saisis ton cœur. Je le fracasse par terre. Je saisis ton souffle. Et je le fracasse par terre. Je saisis ton âme. Et je la fracasse par terre. Je te saisis. Et je te brise par terre. Je bois, je brise, j'écrase. Au nom de Jésus. Tout pouvoir. Qui me combat sans relâche. Qui se présente dans mes rêves. Sans relâche. Tu es qui? Pour t'opposer au plan de Dieu pour moi. Tu es qui? Pour dire non. Quand je dois être béni. Je confesse votre nourriture. Je confesse
d'avoir été élevé par vous. Je confesse mon appartenance à votre famille. Et je me repens. Je me repens. Si c'est à cause de ça que vous aviez le droit de me combattre, je refuse les liens de sang. Je refuse votre autorité parentale satanique. Je refuse votre nom. Je refuse et je déclare que désormais j'appartiens à Jésus. Alors tout pouvoir qui me persécute sans relâche, qui me poursuit sans relâche, qui me maudit sans relâche, au nom de l'Éternel, j'arrête ton souffle. J'arrête, je bloque, je verrouille, j'arrête, je bloque, je verrouille, j'arrête, je bloque, je verrouille, j'arrête. Je bloque, je verrouille, je rate, je bloque, je verrouille, j'arrête, je bloque, je verrouille, j'arrête, je bloque, je verrouille. Au nom de Jésus, respectez avec moi. Je reçois ma délivrance cette fois. Un, deux, trois. Je reçois ma délivrance. 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 Encore. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas répéter. 14 fois, je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Je suis libre. 1, 2, 3. Plus fort. De la sorcellerie familiale. Je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Je suis libre de l'emprise de la sorcellerie familiale. Plus fort. Plus fort. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Alléluia. Le temps est déjà parti, mais j'étais là pour ça. Tu vas dire à Dieu. Et puis tu fais comme moi. Attention à ceux qui ont planté les talons là. Faut pas me donner problème ici. Tu vas sauter. Tu vas dire, je sors de la captivité pour toujours. Un, deux, trois, on y va. Je sors de la captivité pour toujours. Je sors de la captivité pour toujours. Je sors. Il faut sauter. Sors, 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 sors. Sors de là où ils t'ont attaché. Je sors de la captivité pour toujours. Et j'ai dit de sauter. Je sors plus fort. Les jeunes, allez, on y va. Je sors. Saute. Je sors de la captivité. On dit de sauter. Saute, 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 saute. Je sors de la captivité familiale. Je sors. Je sors, 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 je sors de la prison. Je sors, je sors, je sors, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je sors, 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 plus fort. Tu sors de la prison. Hé, hé, lève-toi et saute. Je sors de la prison. Allez, 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 allez. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, plus fort. Tu ne peux pas être emprisonné. Je sors, on y va sauter. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Il faut sortir. Je sors, je sors, je sors, je sors, plus fort. On ne peut plus me retenir. Je sors, je sors. Je sors, plus fort. Plus fort. Et toi, tu vas rester là-bas? Non, 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 non. Je sors de la captivité. Je sors de la stagnation. Je sors, 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 je sors. Plus fort. Je sors. Je sors de là où ils m'ont attaché. Je sors des mauvaises amitiés. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors des mauvaises amitiés. Sors, je sors. Ma soeur, tu sors des mauvaises relations. Tu sors, je sors, je sors, je sors, je sors. On dit de sauter. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Répète avec moi. On ne peut plus me détourner du plan de Dieu. On ne peut plus retarder le plan de Dieu pour moi. On ne peut plus s'opposer au plan de Dieu pour moi. Répète avec moi. Vous savez, vous avez l'habitude de dire, j'entre dans ma destinée. On ne rentre pas dans toutes les destinées. Il y a des destinées qu'on possède. Ça t'est destiné, tu dois recevoir. Ce qu'on doit posséder, là, on ne rentre pas dedans. Amen. Vrai ou faux? Amen. Si Dieu dit que ça, l'on donne à papa, quand il rentre en possession de sa destinée, quand tu dois accomplir quelque part, aller dans une entreprise, tu rentres dans ta
destinée. Répète avec moi. Je possède mes destinées aujourd'hui. Et j'entre dans ma destinée. Je possède mes possessions. Si quelqu'un d'autre les gardait, il me les rend. Si quelqu'un d'autre était installé à ma place, il me la rend. Si quelqu'un d'autre régnait à ma place, alors tu me libères ma place. Au nom de Jésus. Asseyez-vous un peu. J'aurais aimé que le temps soit encore. Oh mon Dieu. C'est parce que si moi-même je m'amuse, ils vont me donner ticket, c'est pour ça. Alléluia. J'aurais tellement aimé que. Oh, c'est pas grave, papa, s'il te plaît, trouve un autre jeu. On ne peut pas jouer en cette fin d'année. Répète avec moi. Je suis assis à ma place. Je suis assis à ma place. Aujourd'hui, Saint-Esprit apporte les corrections à ma vie. Apporte les changements à ma vie. Même si ça va être parfois douloureux de me séparer des mauvais amis, des mauvais endroits pour entrer en possession de mes destinées. Saint-Esprit, ne regarde pas ma volonté. Ne regarde pas ma volonté. Fais ta volonté. Alléluia. Donne-moi le pouvoir. Dis-le Saint-Esprit, je suis trop charnel, je pleure trop. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, je suis trop charnel. Faut dire ça, pardon, faut dire. Faut dire Saint-Esprit, je suis trop charnel, j'ai trop peur. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, je suis trop faible, on me manipule trop. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, je parle trop et je garde mes bénédictions parfois. Donne-moi le pouvoir. Bien-aimé, mais regardez ici, c'est moi qui parle, il faut laisser lui appliquer. Il faut dire Saint-Esprit, je joue trop. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, les bonnes choses m'échappent trop. Donne-moi le pouvoir pour les retenir. Saint-Esprit, les gens parlent trop mal de moi. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, mon mari ne reste pas tranquille. Toi aussi, il faut dire ma femme ne me respecte pas. Donne-moi le pouvoir. Dis-lui, Saint-Esprit, c'est difficile pour moi de réaliser certaines choses. Donne-moi le pouvoir. Dis-lui, Saint-Esprit, parfois je dois supplier les gens pour m'aider, alors que moi je les ai aidés. Donne-moi le pouvoir. Saint-Esprit, je ne veux plus que les hommes viennent jouer avec mes sentiments. Je ne veux plus que les frères viennent jouer avec mes sentiments. Je ne veux plus que les gens me donnent des paroles sans les accomplir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Acclame le Seigneur. On rend gloire à Dieu. Le temps est déjà parti. J'avais tellement dit. Mais j'ai oublié que c'était dimanche. Luc 10, verset 18. On va faire rapidement avant de clôturer. Parce qu'il est 55. C'est pas grave. Le pouvoir. Luc 10, verset 18 dit 18 à 19. Hein, Jésus leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ attirait la foule. Ça dit que quand il passe quelque part comme ça, la masse. Mais vous savez pourquoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Amen. Vous savez, tu peux t'entonner, supplier les gens, souffrir comme moi j'étais ici à Montréal, et puis c'est moi les compagnies des prêts là poursuivaient. Parfois je prenais 700 dollars, on dit mon ami, tu as payé le double, il n'y a pas de problème. Dette, tu es en train de me tuer. Un jour même j'ai été appelé une compagnie, j'ai dit, je vais savoir il reste combien. C'est mon crédit là. Ils m'ont dit non, que tu payais depuis près d'un an, là, c'est intérêt. J'ai dit, tiens, intérêt pendant près d'un an. Moi, je croyais que quand je payais là, ça diminuait. Ils disent non. Quand tu finis pas de payer là, tout ce que tu fais, c'est intérêt. J'étais fâché, mais je vais faire comment? Ah, non. Tout ça là, quoi? Il me manquait le pouvoir. Amen. J'appelais les frères comme ça pour dire, hé, Drissa, tu peux me prêter 200 dollars. Un jour, il m'a choqué. C'est un ami que j'aime beaucoup. Il m'a choqué. Il dit, toi, tu as toujours problème. J'avais tellement honte.
Et puis après, il était fâché. Il dit, mais la raison. Et après, comment, mais la raison. Mais je ne savais pas que papa, je souffrais. Et les plans de Dieu pour moi ne se manifestaient pas. Parce que je n'avais pas de pouvoir. Mais le jour à Terrebonne, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. Tout a changé. Je ne supplie plus, je ne mendie plus. Quand tu as le pouvoir, la Bible dit que quand tu as le pouvoir, tu es investi d'une autorité qui vient de Dieu. Parfois même ton mari te dit, hey, on m'a donné ça, je veux que tu gères. Quand sa soeur appelle, il faut voir ma femme. Tout c'est faut voir ma femme. Parfois, on te dit, mais tu as donné quoi à notre frère? Tu ne lui as rien donné, tu as tout simplement donné Jésus au monsieur là. C'est Jésus, tu lui dis, j'ai donné Jésus. Mais quand Jésus est dans ta vie, tu as le pouvoir. Amen. Tu rentres au travail, c'est toi qu'on aime. Quand tu n'es pas là, on dirait que tout le monde est malade. Le jour que j'ai quitté mon travail, tous mes amis n'ont pas mangé tranquillement pendant une semaine. Moi, j'étais étonné, mais attends, on renvoie les gens tous les jours, moi on m'a viré, puis vous êtes en deuil. Oui, on renvoie les gens tous les jours, moi on vient de me, comme on est encore de voir, on m'a chassé, et puis tout le monde est en deuil. Triste pendant une semaine. Les heures de pause n'étaient plus comme avant, quelque chose manquait aux gens. C'est là que j'ai su que le Seigneur m'avait donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir vous ouvre toutes les portes. J'aurais aimé enseigner sur ça, mais je crois que je reviendrai peut-être en ligne ou je ne sais où, mais je dois prêcher le message, le pouvoir. Papa, quelqu'un peut t'entonner dans le ministère, dans la vente, dans les affaires, mais quand la puissance de Dieu descend dans ton magasin, on s'aligne comme ça, on dit, mais ma soeur, tu as fait quoi? Tu peux nous dire ça? Tu dis, non, c'est le pouvoir. Et je termine en disant, le Seigneur m'a dit que beaucoup de gens jeûnent pour avoir des choses plutôt que de demander le pouvoir pour les avoir. Amen, amen, amen. Dis avec mon Seigneur, je reçois le pouvoir aujourd'hui. Amen, je reçois le pouvoir. Je reçois le pouvoir. Au nom de Jésus. Il y a des secrets. C'est ça. Le temps ne nous permet pas. Malheureusement, il est l'heure, il est 13h. Il ne faut pas les gens ramasser et qu'ils vont m'envoyer après. Donc, c'est l'affaire là qui est là. Mais je vais pouvoir vraiment aller dans ça. Donc, pour clôturer, je clôture. Mon parking n'est pas payé, attends d'abord. Donc, ah non, mais tout le monde n'a pas payé. Il ne faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Donc, le secret, papa, je dis toujours papa parce que c'est mon grand frère, donc ne soyez pas jaloux. Le secret, c'est que chaque domaine de ta vie a besoin d'une puissance particulière. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Amen. Daniel était sage parce qu'il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, la puissance de Dieu lui donnait la sagesse. Amen. Vrai ou faux? Pour que Marie puisse enfanter, il fallait que Dieu lui donne le pouvoir. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. Amen. N'importe qui est stérile peut enfanter. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un enfant qui était n'importe qui. C'était le Messie. Donc, pour porter des grandes choses, il faut la puissance. Pour des grandes responsabilités, il faut le pouvoir. Amen. La seule chose que Jésus-Christ a dit, dont vous avez besoin pour être ses témoins, c'est-à-dire tu guéris comme il a guéri, tu appelles comme il a appelé, tu fais trembler la terre comme il a fait trembler la terre, et dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, là maintenant vous serez des témoins. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez chasser Satan, vous allez chasser les démons, vous allez dire, au nom de l'Éternel, ce qui leur donne revient en vie. Amen. La première fois que quelqu'un était mort, à moitié même mort, peut-être parti même, et puis j'ai ordonné à la personne de revenir en vie, c'était en 2006. La deuxième fois, c'était en 2007. Et la troisième fois, c'était à Montréal, ici. Et quand Dieu veut t'utiliser, il te donne comme l'autorité, la conviction. Et puis tu vas même, tu es sûr que ce que tu fais là, ça va marcher. Et puis tu parles avec confiance et puis tu dis, bon, ça va aller, lève-toi. Et puis tu es guéri. Et le jour où tu vas dans la chair, tu pries même là, même c'est là qu'on dirait, ils vont te frapper. Parce que ce jour-là, tu es parti dans la chair. Il y a des secrets. On ne peut pas se lever comme ça pour dire je m'avais demandé de travail. Ça ne marche pas. Prie pendant 3 jours pour avoir le pouvoir. Quand tu arrives là-bas, c'est l'onction qui parle pour toi. Amen. Mais quand tu vas dans la chair, au lieu de demander à Dieu le pouvoir, tu peux être même là, on dit ah, tu es venu faire quoi? Tu dis non, mais on avait rendez-vous. Il dit quand? C'était quand? C'était pas avant-hier, jusqu'à ça devient discours. Toi, mais tu es tout.
Le gars m'a donné rendez-vous, je suis venu. Il a oublié. Parce que Dieu n'a pas travaillé pour toi. Mais le jour que tu as le pouvoir, c'est la personne qui t'appelle pour dire, mais tu es où? Oh, j'ai ton argent, faut venir. Ça dit, ça court derrière toi. Amen. Tu rencontres un homme même qui te supplie pour te marier. Alors qu'avant là, tu avais des pointeurs, même tu dis, hé Seigneur, c'est l'homme de ma vie, c'est lui qui te fuit. Parce que tu n'avais pas le pouvoir. Mais le jour que tu as le pouvoir, ton mariage est accéléré. Quand on dit, mais ma chérie, tu as bien réfléchi. C'est quoi ça? L'homme là, il sort d'où? Tu n'as jamais parlé de lui. Tout est facile. Amen. Et quand il n'y a pas de pouvoir, tu supplies même. Deux fois même, tu as droit, mais puis on te refuse. Tu es même étonné. On ne va pas dans la chair pour demander des choses spirituellement programmées par Dieu. Il faut le pouvoir. Amen. Vous ne pouvez pas venir au Canada et prospérer à tous égards. Vous avez besoin de pouvoir. Amen. Une Haïtienne a été arrêtée à la frontière avec un crâne humain. On lui a demandé, mais tu fais quoi? Elle dit, c'est mon Dieu. C'est la vérité. 2013-2014. Elle a déclaré, elle dit, c'est mon Dieu. Là, les gens sont venus ici, vous allez chez les Indiens, ils ont des fétiches, ils ont des idoles, ils ont des choses bizarres. Vous allez chez les gens, chez les Chinois, vous voyez Bouddha être un gros homme qui est assis là. Donc les gens savent que sans le pouvoir, on ne peut rien. Vous voyez les gens du Sénégal avec des fétiches, des amulettes attachées ici, des gris-gris, ils veulent le pouvoir. Et les chrétiens sont là, oh Seigneur, pasteur, priez pour nous, ils ont prié. C'est parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est ta relation avec Dieu qui te donne le pouvoir. Dis à quelqu'un, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'espère pouvoir décortiquer ce secret-là, détail par détail. Alors pour conclure, je dirais, si tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu veux enfanter, tu veux vendre, tu veux faire tout ce que tu veux, prends des moments de jeûne. Seigneur, donne-moi le pouvoir de concevoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir pour trouver faveur et grâce en tout lieu. Ou si tu es quelqu'un qui prêche, tu dis, Seigneur, mets ta puissance dans ma bouche. Donne du pouvoir à ma parole. Aujourd'hui là, va dire aux gens que je suis venu pour que vous me donniez ça, ils vont te chasser. Vous appelez même la police. Mais dis-leur, voici une lettre d'Obama ou du président, ou bien de, tu vois, non, notre ministre là. Il y a du pouvoir dedans. Ça dit, les gens vont même se dépêcher. Ils vont se dépêcher. Pourquoi? Le pouvoir. C'est pour ça que quand les présidents sont en train de réunir, ils sont au pouvoir. Que Dieu t'accorde la grâce d'être au pouvoir. Que Dieu t'accorde la grâce d'être au pouvoir dans ton territoire. Que Dieu t'accorde la grâce d'être au pouvoir dans ton travail. Vous faites avec moi, je suis au pouvoir. Je reçois le pouvoir de faire des miracles, de prêcher avec autorité, d'influencer positivement. Seigneur, mets le pouvoir dans ma bouche. Seigneur, mets le pouvoir dans ma vie. Seigneur, mets le pouvoir dans ce ministère. Seigneur, mets le pouvoir sur moi. Investis-moi de ton pouvoir. Tu vas maintenant dire 7 fois, 1, 2, 3, je reçois. Je reçois, 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 je reçois. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu peux acclamer plus fort que cela, tu peux acclamer plus fort que cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu puisses bénir Dieu. Il faut être reconnaissant pour tous les bienfaits. La Bible nous dit que lorsque tu pries, il faut prier avec des actions de grâce. C'est-à-dire, il faut être reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu a fait. Élève la voix et puis bénis Dieu pour ce moment et pour ce Seigneur, temps. Dis Seigneur, merci pour le pouvoir que tu m'as donné. Merci pour la grâce que tu m'as donné. Merci pour ton attention sur ma vie. Merci pour ta grâce. Merci, commence par bénir Dieu. Commence par bénir Dieu pendant quelques Seigneur, minutes. Pour le pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as révélé le secret. Seigneur, nous te bénissons. Je te rends gloire. Nous te disons merci. Au nom puissant merci de ta grâce. Merci. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions et t'exaltons. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais aussi qu'on puisse bénir l'homme de Dieu. Vous savez, il a été toujours disponible pour passer à l'église. Amen. On ne peut même plus compter le nombre de fois qu'il passe ici. Il est déjà avec un membre de la famille. Amen. Béni abondamment, il est là avec ses deux belles filles.
Amen. Je sais qu'il y a d'autres enfants qui sont en route. Amen. Il a un témoignage qui viendra nous rendre. Amen. 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 Je regarde ça d'abord. Et puis pensez aussi à son épouse. Hein. Élevons la prière, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous aimerons bénir ton serviteur. Amen. Bénis ton bien-aimé, que Amen. Ta grâce soit sur sa vie. Amen. Souviens-toi de son ministère. Amen. Souviens-toi, Seigneur. Merci, oh, Seigneur. Dieu, bénis abondamment sa Seigneur, famille. Merci, Seigneur. Merci. Dieu reçoit la grâce. Que ta grâce soit sur, que ta grâce soit sur ma vie. Prospère merci. À tous égards. Amen. L'état de son âme. Qu'il soit revêtu de ta puissance et de Amen. Ton pour faire ton œuvre. Amen. Seigneur, nous prions que tu t'élèves sur Seigneur, ta merci. Fais rayonner encore ta gloire sur son Amen. Ministère. Fais rayonner ta gloire, que l'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Fais briller l'étoile. Seigneur, merci de m'avoir touché. Nous bénissons sa vie. Merci de m'avoir utilisé. Ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci au nom de puissant ton de Jésus. De bonté, au nom de Jésus. Jésus. Amen. Et nous disons tous ça. Amen. Amen. Acclame très très fort l'Éternel ton Dieu. Bien-aimés, nous allons passer à notre étape du culte. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, et dans d'autres versions, vous allez voir ce qu'on parle le dimanche, que chacun d'entre vous, le dimanche, mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, alléluia, afin qu'on n'arrive pas à son arrivée pour les guérir les dons. Et voici l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens en disant ceci, que chacun puisse mettre de côté, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, selon sa prospérité, c'est-à-dire selon ce qu'il a reçu, selon la bénédiction que Dieu lui a accordée, selon le salaire que Dieu lui a accordé, selon le travail que Dieu lui a accordé, selon les activités que Dieu lui a accordées. Alléluia. Que chacun mette de côté le dimanche afin qu'il puisse apporter ce que c'est. Quelqu'un me dit bon amen. Quelqu'un me dit bon amen. Alors je vais juste dire qu'il y a un peu de au bureau que nous pouvons utiliser. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu peux l'aider la main. Bien-aimés, nous allons donner avec vos joies notre mission de mon cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander
au diacre David de présenter les dîmes, les offrandes. C'est vrai qu'il y a certains qui sont en train de donner. Que Dieu, qui voit notre cœur, n'est-ce pas, puisse bénir tous ceux-là qui sont en train d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es grand. Papa, tu es merveilleux. Oh, papa, ce jour, mon papa, tu es sauvé de tes enfants. Tu nous as permis, Seigneur, de bénir de ta présence, Seigneur. Pour nourrir, Seigneur, mon cœur, Seigneur. Oh, papa, merci, mon Dieu. Pour ce que encore tu fais, pour ce que tu vas faire encore, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Papa, nous sommes venus, Seigneur, en respectant, Seigneur, ta parole. Nous sommes venus les mains chargées. Nous avons donné dans ta maison. Papa, c'est toi qui arroses. C'est toi qui bénis. Oh, papa, reçois, Seigneur, ces offrandes que nous donnons. Reçois ces dîmes, Seigneur. Et souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Agis, mon Dieu, afin que, papa, la prospérité, Seigneur, soit dans la vie des enfants. Que la santé soit dans la vie de tes enfants. Que le pouvoir soit dans les esprits. Amen. Ô roi des rois, c'est toi qui bénis. Bénis et accepte ces offrandes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons notre Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un invité. Et chaque fois qu'on a un invité, nous savons que nous avons une offrande, une deuxième offrande spéciale à faire. Amen. Comme ça a été à la veillée de prière, parce qu'habituellement, aux veillées de prière, nous n'avons pas d'offrande. Mais quand on a des invités, on fait l'offrande. Alors, donc, on va apporter une offrande spéciale hein, ce matin, parce qu'on veut bénir hein, l'invité que nous avons reçu. Est-ce qu'on a été béni? Amen. Est-ce qu'on a été béni? Amen. Nous sommes déjà habitués à cela. Tu apportes avec joie. Nous voulons bénir l'homme de Dieu. Nous l'avons lu à la veillée, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, que celui, n'est-ce pas, à qui on l'enseigne, doit faire part, doit donner, n'est-ce pas, une partie de ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Donc nous allons apporter encore avec joie, bénir l'homme de Dieu. Nous sommes des hommes. Venez louer Jésus. Et souviens-toi de ta parole. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Amen. Souviens-toi de nos semences. Père, nous prions par le nom puissant de Jésus. Qu'en retour, que tu ouvres les écluses des cieux et pour bénir tes enfants. Père, je prie que ces mains qui donnent puissent être puissamment bénies. Amen. Souviens-toi, mon Dieu, de ta parole. Et j'aimerais les bénir ce midi par le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Bien-aimé, je vais donner rapidement les infos parce que l'heure est déjà avancée avant que l'homme de Dieu ne puisse venir clôturer ce moment de prière. Amen.
Le samedi prochain à 19h, il y aura la prière des responsables. Hein. J'ai déplacé cela parce que le mois de décembre est quand même assez... On a un mois de décembre quand même assez rempli. C'est pourquoi prends ton cahier de notes et puis il faut noter. Bien aimé, il faut vraiment noter. Il y a beaucoup de programmes. Le samedi prochain à 19h, c'est la prière des responsables. Mais je voudrais d'abord dire un grand merci à l'église. Vous savez que le dimanche passé, nous avons célébré mon anniversaire, n'est-ce pas? À l'église, hein? C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas vu les mamans danser, parce qu'elles ont vu que les papas les ont mis KO. Amen. 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 C'était formidable, hein? Vous voyez, aujourd'hui, on a vu rien que les papas sur la piste. Parce que les mamans ont compris que la bataille n'était pas bonne. Alléluia. Donc, grand merci à toute l'église. Grand merci au papa, aux mamans et même à la jeunesse qui a eu à faire une prestation spéciale, n'est-ce pas, pour honorer le papa. Et je dis grand merci que le Seigneur se souvienne. La Bible nous dit ceci, que si quelqu'un vous donne un verre d'eau, en tant que serviteur de Dieu, il ne perdra pas sa récompense. Et je déclare et j'annonce sur votre vie que vous ne perdez pas votre récompense au nom de Jésus. Amen. À la fin du culte, dès qu'on dit Amen, les mamans ont une réunion. Les mamans, n'oubliez pas, vous avez une réunion à la fin du culte. Alléluia. Donc, à la fin du culte, dès qu'on dit Amen, les mamans ne courez pas, restez là. Vous avez une réunion avec votre responsable. Le dimanche 19 décembre, quelqu'un dit dimanche 19 décembre. Dimanche 19 décembre. Nous allons recevoir le prophète Guigui. C'est quelqu'un, c'est un homme spécial aussi de Dieu. N'oublions pas, le dimanche 19, on va recevoir un homme de Dieu, le prophète Guigui. C'est lui qui va nous apporter la parole. Amen. Il va nous parler quand même du ministère prophétique parce qu'il fait les écoles de... En ligne de foi, il fait les écoles prophétiques là. Donc, on a l'opportunité vraiment de le recevoir. Donc, dimanche 19 décembre, invitez aussi des amis pour ce moment puissant. Du lundi 20 au vendredi 24, nous avons notre semaine de jeûne et prière. Bien aimé, si tu n'as pas pu jeûner les 4 semaines là, parce qu'on a fini les 4 semaines, cette fois-ci, moi-même, je te demande pardon. Il faut jeûner au moins une semaine là. Parce qu'on a fait 4 semaines, tu n'as même pas. Il y a des gens, même quand on parle de jeûne et de prière, c'est comme si on lui a dit, il y a des poissons dans l'eau. Oh, maintenant, il reste, on dit une semaine. À cause de toi, on a divisé par 4. Pardon, il faut jeûner cette fois-ci là. Donc, du lundi 20 au vendredi 24 décembre, une semaine de jeûne et prière sur le thème « Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer » Apocalypse chapitre 3, verset 7. Bien aimé, on aura un acte prophétique à poser. Donc on sera là tous les soirs, il y aura enseignement du lundi au vendredi. Ça sera très important de le faire, bien aimé. N'oublions pas, ça sera très important. Je le répète, ça sera très important. Le vendredi 24 décembre, c'est la soirée des jeunes. Je pense qu'ils doivent célébrer la soirée des jeunes. Ils ont un concert à faire. Invitez vos amis, la jeunesse, les adolescents. Est-ce que les jeunes sont là même, les ados? Ils sont là. Ils sont un peu invisibles. Ok, ils sont là parce qu'ils sont là, médiathèque et autres. Alors, donc les parents, n'oublions pas, envoyons nos enfants. Ils ont leur célébration, je pense, de Noël ici. Le 24, ils vont faire. Ils ont un concert à faire, je pense, un théâtre, ainsi de suite. Samedi 24 décembre. Alléluia. Et le marathon de prière, les 72 heures de prière d'affilée que nous avons, c'est du 26 décembre, n'est-ce pas, au 28 décembre. Hein? Le programme est au tableau. Je vous demande pardon. Bien aimé, écrivez vos noms. Parce que c'est en fonction de ce qu'on pourra faire la ligne. Vous savez, c'est un marathon. Un marathon, c'est-à-dire dès que tu finis, quelqu'un d'autre vient. Et pendant 72 heures, l'église reste ouverte. Donc on a besoin de mieux organiser cela comme il se doit. Donc prends le temps, écris ton nom avant de partir. Amen. Donc le marathon des prières, n'oublions pas, on commence le dimanche soir. Et le réveillon du nouvel an, on va le faire le 31 décembre de 22h. C'est pas c'est 22, les gens disent 22h, mais c'est de 22h à 5h du matin. Amen. Et nous maintenons nos premières veillées de prières qui sera en janvier, n'oublions pas, qui va venir. Mais le réveillon, c'est le 31 décembre de 22h à 5h du matin. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon alléluia. Amen. Bien aimé, et j'ai un autre programme dont j'aimerais parler aussi, qui est assez important pour ne pas que nous l'oublions. C'est le programme que nous avons, n'est-ce pas, sur la retraite ouverte sur le Saint-Esprit. Donc on aura 2 jours de retraite ouverte sur le Saint-Esprit, c'est du 17 au 18 décembre. Donc ça commence le vendredi. Vendredi à 19h, on finit à 22h, on reprend le samedi de 10h30 à 18h30. On va parler rien que du Saint-Esprit. Quand on nous a parlé du pouvoir,
de les mots. Tu ne peux pas recevoir le pouvoir sans qu'il y ait ce genre de moment. Donc, c'est un temps spécial où on va demander à Dieu de nous investir de son pouvoir et de sa puissance. Amen. Pour qu'on puisse entrer comme il se doit en 2022. Amen. Donc, on va prendre le temps, on va parler rien que du Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, quand on prend ce genre de temps-là, vous-même, vous savez que Dieu aussi se manifeste. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on a beaucoup parlé. Je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, bien-aimé, le charismatique, nous le vivons, mais il faut que vous et moi, nous ayons aussi, nous puissions aller encore en eau profonde. Amen. Quelqu'un me dit aller en eau profonde. Amen. Dis encore aller en eau profonde. Aller en eau profonde. Bien-aimé, si tu ne veux pas impacter, si tu veux que ta vie reste la même chose là, reste où tu es. Vous savez, tu ne peux pas désirer un changement si les décisions que tu prends sont les mêmes, ce sont les mêmes décisions. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu te lèves à 7h du matin pour venir à l'église et que tu es en retard, ne dis pas Seigneur, je brise l'esprit de retard. Tu vas toujours être en retard. Lève-toi à 6h du matin, tu vas voir que tu ne seras pas en retard. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc quand on dit de recevoir le pouvoir, ne pense pas que parce que tu as dit j'ai reçu le pouvoir. Mais non, tu te dis pour cette fois-ci, je vais suivre ce séminaire-là. Amen. Je vais venir crier à Dieu. Tu verras que le feu de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Amen. Demandez, deux fois on a prié sur le Saint-Esprit. Depuis même déjà, comme on appelle, le groupe musical s'applique toutes les Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons dit, Seigneur, nous avons besoin de ton feu. Et je sais que Dieu va faire descendre son feu. Dans la même mesure. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Je vais appeler l'homme de Dieu pour qu'il puisse clôturer ce moment. Hein, qu'il puisse, n'est-ce pas, bénir le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Merci, papa. Bien-aimés, nous allons fermer les yeux et prier. Répétez avec mon Seigneur. Nous te remercions de nous avoir ouvert les yeux pour voir et entendre, pour même recevoir ces instructions. Nous partons dans la victoire et nous savons que nous verrons la manifestation. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout esprit qui nous attend, les esprits de confusion et de disputes, de mésentente et de zizanie, échouent. Nous lions toutes les puissances qui nous ont quittés, mais qui nous attendent dehors. Nous les enchaînons. Nous bloquons les répliques et les contre-attaques. Au nom de Jésus. Nous lions et bloquons les questions pièges, les sujets de conversation piégés. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous le discernement pour ne pas tomber dans les critiques et le commérage, pour ne pas nous laisser avoir. On se couvre avec le sang de Jésus. Accompagne-nous. Donne-nous la victoire. Nous avons prié. Guide-nous exactement où nous pouvons avoir le résultat. Que tout ce que l'ennemi va faire au bord de nos percées pour nous dévier soit nul et sans effet. Je vais entendre quelqu'un dire, je ne raterai pas mon rendez-vous avec le destin. Je ne raterai pas les bonnes choses. Je ne raterai pas la réponse à mes prières. Tout ce que l'ennemi va faire le jour de mon bonheur échoue. Saint-Esprit, mets tout en œuvre pour que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances. Au nom de Jésus, je suis béni. Seigneur, je bénis ton nom. Je viens de prier, Père. Nous venons de prier. Bénis cette église qui nous accueille encore une fois. Bénis tous ceux qui se sont déplacés, qui ont suivi en ligne. Seigneur, au bord de nos percées, veille à ce que toutes les isanies, les stratégies que le diable va mettre en place pour déplacer tes enfants, les détourner, les éloigner, échouent. Mais que ton esprit, tes anges guerriers, tes archanges, prennent tes enfants jusqu'à leur destinée. Si l'ennemi envoyait des hommes, des femmes, peu importe qui va les dénicher, que le plan des envoyés du diable dans votre vie échoue. Si arrivé à la maison, avec la grâce que vous avez reçue, le diable veut créer des conversations, des sujets à caractère conflictuel pour vous enlever la grâce. Vous ne tomberez pas dans le piège dans le nom de Jésus. Allez en paix. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Que l'Esprit de Dieu veille sur vous. Que pour une fois vos oreilles soient ouvertes. Soient ouvertes. Pour une fois vos yeux soient ouverts. Pour une fois votre esprit capte tout ce qui se passe autour de vous. Que vous soyez informés de tout avant même que vos ennemis ne sachent. Que la puissance de Dieu vous conduise et ne vous lâche pas. Soyez investis d'une autorité divine qui vient de Dieu. Que votre parole ait de la puissance et du pouvoir. Que votre présence envahisse maintenant où que vous allez aller pour que la grâce de Dieu vous accompagne. Désormais, tout ce que vos mains touchent sont bénis. Soyez investis
au nom de Jésus. Répète avec moi. Je confirme que j'ai reçu la grâce. 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 Au nom de Jésus. Tu vas crier cette fois. Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Alors dis à ta sœur, tu as reçu le pouvoir. Ne va pas tout gâcher. Faut pas aller parler des gens encore. Faut pas aller faire des choses là. Voilà, tu as une semaine là pour recevoir, pour posséder. Donc il faut dire à tes amis, tu ne veux plus critiquer les gens. Tu ne veux plus parler des gens parce que tu as reçu le pouvoir.